C'est sur ces terres que je me suis résolu à continuer ma quête. C'est sur ces terres, hautes en altitude, sauvages et inaccessibles, que tout prendra sens. Année après année, saison après saison, j'ai espéré, prospecté et étudié. Un jour, quelqu'un a dit « La nature est pleine d'enseignements. Ouvrez grand les yeux et elle vous instruira. » C'est avec cette phrase en tête que je décide d'une nouvelle fois de repartir à zéro. Animé plus que jamais par l'espoir d'une rencontre. Animé plus que jamais par cette rencontre. Une petite réaction à chaud là. Je viens de vivre le moment le naturaliste de ma vie le plus intense. J'étais en affût au renard et il se trouve que c'est pas le renard qui est sorti mais un loup. Je viens de filmer le loup d'Europe en France à 6h15 du matin. Le regard du loup a atteint mon âme et me pousse chaque jour un peu plus aux frontières du sauvage. Cet endroit est vraiment incroyable. C'est magnifique. J'ai pas les mots, quoi, franchement. Entre sapins, petites prairies, roches, c'est très sauvage. Il y a vraiment que ici que je trouve ça. L'idée pour moi ce matin, c'est de monter juste là. C'est les dernières crêtes, après là je suis au sommet. Une fois en haut, j'ai vraiment une vue imprenable. J'essaie de trouver un spot pour me mettre en affût. Et je ne bouge plus. Cette vallée m'inspire particulièrement. J'ai le sentiment qu'ici tout est possible. Mais j'ai aussi conscience de la complexité de cet environnement, sauvage et indompté à perte de vue.
si vaste qu'il en est impossible d'en faire le tour. Seule une vie d'errance permettrait de parcourir cette perpétuelle forêt. Bon, eh bien, je crois pas que j'aurai de rencontre ce matin. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même eu des ambiances incroyables ce matin. C'était magique. Je vais prendre la nature comme elle vient et faire avec ce qu'elle me donne. Ce matin, elle m'a donné de belles ambiances, et ben, ma foi, c'était très bien. De toute façon, la nature est tellement imprévisible. Je pense que ça sert à rien de faire des plans en se disant que ça va se passer comme ci ou comme ça, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. C'est la nature qui décide, c'est tout. Chaque jour, en quittant mon affût, je découvre et m'enfonce toujours plus loin, à travers cette épaisse forêt. Une trace de serre, plutôt fraîche. Et drôle de caillou. Je l'imagine tout de suite, telle une amulette. Peut-être m'apportera-t-elle un peu de chance dans cette quête. Les feuilles mortes d'automne laissent peu à peu place à l'hiver. Les pins sont alourdis de masses blanches et laiteuses, tombant parfois d'un bloc. La neige égratignée par les traces des bêtes laisse un témoignage éphémère de la vie secrète des animaux. Ça fait une heure que je marche en forêt. Pas une trace, zéro trace. Et là, j'arrive sur cette plateforme et je découvre des centaines, voire des milliers de traces. Je pense de loups. Parce que, oh la vache, c'est incroyable. C'est des traces de canidés. Et là où je suis, j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas trop de promeneurs, pas trop de chiens qui traînent par ici. Mais surtout, ce qui me fait dire ça, que c'est du loup, c'est parce qu'il y a des ossements juste là. Incroyable. Ici aussi. Il y a encore de la chair dessus, quoi. Ils étaient là il y a quelques heures. La neige a à peine recouvert des traces. Il y a une meute toute entière qui est passée là. Il doit y avoir le reste des ossements pas loin. Incroyable. Là, j'ai encore un ossement. C'est super frais. Je suis sûr que la carcasse est dans le coin. Ils ont fini le repas ici, quoi. Il y a des traces de partout. Des traces de loups. Ah ben voilà, j'ai trouvé la carcasse. Regardez ça. Partout. La carcasse est là. Mon Dieu, ils ont rien laissé, hein. Là, il n'y a pas de gâchis. Je suis sûr qu'ils étaient là ce matin de bonne heure, quoi. Tout ici.
Bon, eh bien, je sais où je vais me mettre en affût ce soir, moi. Donc là, ils sont repartis par là, je pense. Je saurais pas vous dire combien il y en a, mais... 1, 2... Peut-être 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'ils sont 5. Peut-être 6. Oh la vache, ils ont traîné un moment par là pour qu'il y ait autant de traces. J'aurais dû venir là ce matin. Regardez ça, c'est que des traces de loup. Partout, partout, partout. En faisant cette découverte, j'ai à la fois le sentiment d'être si près du but et à la fois un souvenir amer quand 3 ans plus tôt, j'ai également fait la découverte d'une carcasse et que malgré mes efforts pour obtenir des images, les loups ne sont jamais revenus sur le secteur. Moi, ça fait plus ou moins 1,5 km ou 2 km que je suis les traces. J'ai l'impression qu'à chaque virage, je vais tomber dessus, quoi. J'ai l'impression qu'ils se sont séparés. Parce que là, je suis sur les traces de 2 loups. Je sais pas où sont passés les 3 autres. Non, là, j'ai plus de 2 loups, là. 1, 2, 3. Ce soir, faut à tout prix que je vienne ici. Il y en a un qui passe là à droite. Et le reste est là. Oh là, j'ai les 5 en fait, ils sont bien là. C'est avec émerveillement que je vais suivre leurs traces sur plus de 10 km. Et je suis aussi très impressionné et en complète admiration quant à leur capacité à progresser dans ce milieu exigeant. Là où moi je peine à avancer sans perdre souffle. Athlètes les mecs quoi. Ouais, j'ai chaud. Il doit y avoir un bon 1,50 m. Et ils ont sauté de là à là. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Ok, je les ai officiellement perdus. Chercher une aiguille dans une botte de foin. Cette expression prend tout son sens dans cette immensité. Cette fois, j'ai l'occasion de rester plus d'un mois sur le terrain, grâce à mon véhicule. Il ne me reste plus qu'à faire preuve de patience et persévérance. Dans un premier temps, j'installe une caméra automatique qui surveillera la zone de la carcasse. Bon, je me suis mis en place. Je suis environ à 50 mètres de la carcasse. J'ai vraiment une vue bien dégagée sur l'endroit. Maintenant, il reste plus qu'à attendre. Dans le fond de leur vallon secret, tous les 5 attaquent à l'unisson une merveilleuse symphonie. Un chant sacré aux étranges accents qui retentit longtemps dans les sous-bois, et comme une onde, parcourt collines et vallons, tourbières et marées.
Chacun semble répondre à l'autre, museau pointé vers les cieux, gueule entrouverte, et module son long hurlement comme une plainte effrayante et harmonieuse jaillit de son corps. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Il est pas tout seul. Oh la vache. Incroyable. Je sais même pas quoi en penser, quoi vous dire, parce que j'ai pas l'impression que ce soit réel. Ils sont vraiment pas loin, quoi, donc... Donc là, il y a vraiment une rencontre qui est possible. Se resserre quand même là. Un vrai fantôme, c'est incroyable. Quand je les entendais hurler, c'était peut-être 300 mètres ou 400 mètres plus loin. Et donc je voudrais comprendre pourquoi ils hurlaient. Est-ce qu'ils ont eu une proie? Est-ce qu'ils se battaient? J'en sais rien, je comprends pas. Je vais regarder le piège, voir si quelque chose est passé, mais je vois pas de nouvelles traces. Si, il y en a un qui est passé cette nuit. Ouais, il est passé tout seul. Bon, eh bien, il est environ 15h. Je vais retourner me mettre en affût. Camille sera avec moi et mon ami Gilou aussi, avec qui je fais souvent de la photo, nous a rejoint. On va rejoindre directement les petites plaines où on était ce matin. Et en descendant, on va mettre deux pièges photos en place pour essayer d'encercler un petit peu la zone. On en a déjà un en place qui a bien fonctionné, on l'a vu. Donc si on peut avoir un peu plus de résultats, on va multiplier les chances avec d'autres pièges photos. Bon, ça y est, je me suis enfin installé en affût. On s'est dispersé tous les trois. Et Gilou sur le dessus.
près de 20 jours que je suis ici. Je rêve d'une silhouette découpant ce No Man's Land. Je peux même le voir parfois. Des mirages plus vrais que nature, me forçant à prendre mes jumelles. Une souche, une pierre, tout semble vouloir prendre vie dans mon esprit. Mais ce soir-là, la réalité m'a rattrapé. Comment décrire ce sentiment, cet émerveillement? L'aboutissement de plus de 4 ans de recherche, l'aboutissement de milliers d'heures sur le terrain, d'innombrables nuits dans la nature, sans aucune certitude d'un quelconque résultat. J'ai appris que chaque sortie est une leçon. J'ai appris que, derrière chaque échec, il y a un enseignement. Et derrière cette rencontre, j'ai également compris. Compris qu'une meute de loups est un ensemble, une organisation, se déplaçant et travaillant à l'unisson, comme une famille à laquelle chacun est digne d'appartenir. Mais j'ai surtout compris que bien loin des croyances populaires se cache un animal terriblement craintif de l'homme, les stigmates du siècle passé, traqué et exterminé jusqu'au dernier. Il faudra attendre près de 60 ans pour que le loup revienne naturellement dans les Alpes françaises. Cette année encore, et allant contre l'opinion publique, près de 100 loups seront abattus,
sur une population totale de 580 individus. Avons-nous appris de nos erreurs passées? Combien de temps encore le loup vivra dans cette vallée?